très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Harry Roselmack. Harry Roselmack, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Vous êtes présentateur du 20h sur TF1, présentateur du 7 à 8 le dimanche, ainsi que de l'émission Harry Roselmack en immersion, présentateur du journal Inattendu le samedi à 12h30 sur RTL. Pour un Martiniquais, vous bossez beaucoup quand même, non? Protestation des Martiniquais qui sont dans la salle. Ouais. Et puis vous êtes le journaliste préféré des Français devant Pujadas et De La Housse. Et puis vous êtes l'homme idéal des Françaises devant Noah Michalak et Lisa Razou. Quelle responsabilité, ben non ouais. Terrible, c'est énorme, non c'est énorme. Alors Harry, vous connaissez l'émission, en pain, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de votre adolescence, de vos débuts, de votre carrière, jusqu'à votre arrivée sur TF1. Le choc, un noir sur TF1 qui n'était pas dealer dans un reportage du Droit de Savoir. En P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Manuel Valls, député-maire PS d'Evry, pour son livre « Pouvoir » chez Stock. Alors c'est pas mal la stratégie de Valls. Pour se distinguer au milieu des gens de gauche, il a des idées de droite. C'est vrai que c'est pas con. Toujours en P2, nous recevrons André Manoukian pour son nouvel album « So in Love » et son nouveau livre « Deleuze, Sheila et moi ». C'est qui Sheila? En P3, après Guillaume et Zapping, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Marie-Pierre de Lépinay, habitante de L'Aiguillon-sur-Mer, dont la maison a été inondée de seulement 12 cm d'eau lors de la tempête de Xynthia, une maison vieille de 150 ans qui va être détruite, rasée. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les terriens » et le groupe « Les Gréements de Fortune ». Alors, Harry, rebonsoir. Donc, incroyable, c'est votre vrai nom? Oui, c'est mon vrai nom. Ça fait nom de scène un peu, Harry Roselmack, non? Ah ouais, vous trouvez? Ah ouais, je trouve que c'est un très joli nom. Hein. Alors vous êtes né le 20 mars 1973 à Tours, parents martiniquais, maman guichetière au bureau de poste de Tours Nord, père CRS. Alors le père CRS, ça a dû aider pour rentrer à TF1, non? Alors des parents qui insistent sur les vertus du travail, vous ont toujours dit qu'il fallait que vous travailliez plus que les autres pour y arriver? C'était quelque part peut-être l'expression d'une forme de complexe, parce que l'idée, c'était de dire toi, tu es noir, les autres ne le sont pas, donc pour y arriver, tu auras besoin de plus bosser que les autres. Ben, j'ai pas gardé le complexe, mais je pense avoir gardé, en tout cas, l'habitude de bosser. Ouais. Alors, vous avez un frère consultant en informatique, donc, Willy, hein, et une sœur qui travaille pour Scotland Yard à Londres, Peggy, incroyable. Avec Sherlock Holmes, c'est le boss, non? Non, sérieux. Élémentaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère une équipe qui répond aux appels d'urgence de police secours. Alors, vos parents sont repartis vivre en Martinique, hein, au Morne Rouge. C'est ça. Et vous, vous y allez souvent en Martinique? Pas assez. Enfin, on essaie de se voir une fois par an. Alors, quand vous étiez enfant, vous alliez en Martinique tous les 3 ans. Ouais. Et alors, quand vous n'alliez pas à la Martinique, les étés où vous restiez en France, vous travailliez à la poste avec maman. Vous étiez remplaçant facteur. Ouais, j'ai fait quelques tournées à vélo à Tournord, effectivement. C'est une ambiance très particulière, un bureau de poste. Mmh. Il y a une collectivité de gens qui travaillent derrière les guichets que personne ne voit. Ouais. Et il y a le type qui fait rire tout le monde, il y a celui qui gueule tout le temps, il y a celui qui est toujours en pause. Il y a des gens très différents et c'est très marrant. Comme bienvenue chez les ch'tis un peu, quoi. Sauf que c'était à Tours, voilà. Alors, avec votre première paye, vous avez fait un cadeau à votre mère. C'est beau, ça? Vous lui avez offert quoi, Harry? Je peux pas le dire. Ah bon? Non. Bon, c'est un secret. C'est un secret. Alors, le reste de l'année, vous êtes un lycéen très sage, au lycée Choiseul à Tours. Et vous avez le bac grâce au judo, quand même. Hein. J'ai eu une maigre mention grâce au judo. D'accord. Mais je pense que j'aurais eu mon bac sans le judo. Alors, quand vous étiez en première, au lycée, vous faites de la radio sur Radio Béton, qui est une radio locale de la communauté antillaise, donc à Tours. Et vous faisiez déjà les flash infos. Hein. Je récupérais sur un hebdo qui s'appelle France Antilles les news de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, et je faisais mon petit flash. J'avais une cassette VHS sur laquelle j'avais copié en boucle
la boucle de France Info et que je mettais en fond sonore pour faire comme si comme pour de vrai. Mais... Vous commencez les Flash Info sur Radio Béton, aujourd'hui le 20h de TF1. C'est pas mal, hein, ouais. bien joué. Alors, là, ce soir, vous n'êtes pas au journal de TF1. Qui présente à votre place, Francky Vincent? Conneries, c'est que des vannes pourries. Hein. Ouais, alors, j'allais dire c'est bon, mais non, c'est pas bon. Après, vous faites un IUT de journalisme. Et en 94, la chance se présente, mais c'est pas à Tours, c'est à Paris. Alors, votre mère voulait pas trop que vous partiez quand même. Hein. Vous lui avez désobéi sur l'arrêt. Pour la première fois de ma vie, j'ai désobéi à ma mère à l'âge de 21 ans, vous vous rendez compte? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est vrai en plus. Alors à Paris, la radio s'appelle Radio Média Tropical. C'est la radio des Doméens pour l'Île-de-France. Et là, vous renouez avec vos racines antillaises. Vous reparlez créole. Dites-moi, Thierry, je vous aime beaucoup en créole, mettons. Thierry, moi, Méo. Ah, bah oui. Parle couramment le créole. Et puis ensuite, France Bleu, France Info. Vous refusez la météo sur TF1 quand Gilles Pétré s'en va. Malin. Ça ne correspondait pas à ce que je voulais, qui était d'être journaliste. J'ai essayé de concilier les deux. J'ai essayé de négocier la météo plus un boulot sur LCI de journaliste. Ouais. Et ça n'a pas été possible à l'époque, donc j'ai dit non. Voilà. Bah, vous avez eu raison. Ensuite, iTélé, Canal+. C'est là que j'ai connu Canal+, à l'heure du déjeuner. Ouais. Et puis, le 6 mars 2006, TF1 annonce que vous serez le joker de PPDA. Ce que vous ne saviez pas à l'époque, c'est que présenter le 20h de TF1, ça faisait perdre ses cheveux. PPDA y était passé avant vous. Je les avais déjà perdus avant, donc à ce niveau-là, je ne courais pas grand risque. C'est vrai que quand vous aviez des cheveux, vous étiez coiffé comme Grace Jones? Il y a longtemps, Une espèce de brosse bien carrée comme ça? Il y a longtemps, mais ça a été à la mode à une époque. Bien sûr. Je pense sûr que vos musiciens, ils doivent connaître ça. Bibi, c'est con qu'on n'ait pas de photos, là. Vous avez été aidé quand même pour entrer sur TF1 par le club Averroès, qui est un club qui fait la promotion de la diversité dans les médias français. Et vous avez rencontré pour la première fois Étienne Moujotte et Patrick Poivre d'Arvor au club Averroès. Alors, vous êtes contre les quotas, mais vous êtes quand même favorable à un contrôle de la diversité dans les recrutements. Oui, parce que je pense qu'il faut vraiment avoir une politique volontariste. Ouais. Il y a des mécanismes qu'il faut casser. Je ne pense pas que l'absence de diversité dans les élites françaises soit systématiquement liée à la volonté de ceux qui recrutent de ne pas prendre de noirs, ne pas prendre de maghrébins, de ne pas prendre d'asiatiques parce qu'ils ne les aiment pas. Ouais. C'est juste que c'est pas naturel. C'est pas les habitudes, c'est pas naturel. Ouais. Et ces mécaniques-là de cooptation et de recrutement dans les mêmes écoles, dans les mêmes cercles, il faut les casser, je pense, par une discrimination, ce que moi j'appelle une discrimination positive, sans quota, mais avec des contrôles et avec des incitations. C'est ce qui se passe en fait. Nous, producteurs de télévision, on nous dit ça serait bien. Et non, mais c'est pas encore mesuré. Non, mais c'est dans la problématique de recrutement des chefs. Mais c'est déjà bien qu'effectivement, on se pose la question. Là, soit, ah oui, ça, je peux soit intégré. Ouais. Ouais. Dans votre vie, vous avez plus souffert du racisme anti-noir ou du racisme anti-TF1? Anti-TF1, sans doute. Sans doute, oui. Alors, en tout cas, grâce à vous, on a fait un grand pas dans la lutte contre le racisme parce qu'on a vu que des Noirs pouvaient lire un prompteur. Alors, en 2006, 7 à 8, avec Anne-Sophie Lapix. Et sans puis, prompteur. Ensuite, en solo, en 2008. En 2007, un bouquin, « Nos villes lues », signé Bungo, qui est le nom de votre mère. Vous l'avez mal vécu, cette histoire du livre, hein? Ah non, moi j'adore ce livre et j'en suis très très fier. C'est l'une de mes productions dont je suis le plus fier. Mais son accueil, vous l'avez mal vécu quand même? Non, j'ai eu un épisode malheureux dans une émission de télévision, mais... Samedi soir sur France 2, chez Ruquier, faut le dire. Oui, ça peut arriver, bon voilà. Ouais, ça s'est mal passé. Ben, ça s'est mal passé. C'est vrai que je ne m'attendais pas à un tel procès stalinien de la part des deux Eric. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils vous reprochaient, en fait? Ils ont été extrêmement durs. Hein. Ils ont estimé que le bouquin était mal écrit. Ce que je conteste formellement. Moi, encore une fois, je suis extrêmement fier de ce bouquin. Ils m'ont comparé avec des auteurs qui sont des auteurs de grande notoriété, ce qui est pas très juste cool. quand même, pas très cool, parce qu'évidemment, moi, je ne revendique pas le talent d'auteurs qui ont une œuvre prolifique et qui se sont sans doute construits, pas forcément à leur premier bouquin, mais peut-être à leur cinquième, sixième. Donc voilà, ils ont des procédés qui ne sont pas très sympas, mais bon. Bah, Zemmour, maintenant, vous savez pourquoi. Bien. Alors,
En 2009, RTL vous demande de faire le journal inattendu. Et là, vous avez énervé Carla Bruni avec des questions sur Clearstream. Elle a menacé de quitter le studio. Elle avait raison. Des journalistes qui posent des questions, c'est pas normal. C'était chaud, hein. Avec pour Carla. Être très honnête, sur une émission d'une heure, ça a été chaud pendant 5 minutes. Ouais, ouais, sur Clearstream. Sur Clearstream, ouais. Ensuite, il y a Harry Roselmack en immersion. Le dernier numéro, c'était mardi dernier, donc sur le salafisme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les lois qui régissent la vie de ces gens-là ne sont pas les lois de la République. Ils respectent la loi de la République lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec une prescription religieuse. C'est-à-dire que la prescription religieuse prendra le pas sur la loi de la République. Et c'est en ça qu'ils sont fondamentalistes. Voilà, tout ça pour aller au paradis. Leur truc, c'est d'aller au paradis. Ouais, c'est leur objectif. Et eux considèrent leur vie sur Terre comme un passage, comme une épreuve pendant laquelle ils doivent accumuler le maximum de bonnes actions pour avoir droit au paradis. Vous croyez au paradis, vous ? Je crois en Dieu, mais je ne crois pas au paradis. Pensez pas qu'un jour, on va se retrouver au paradis avec plein de gonzesses et de la bonne musique et tout. Vous n'y croyez pas ? En tout cas, il y a un truc qui ne peut pas être votre paradis. À vous, c'est partir en vacances avec Laurence Ferrari. Parce que... Le paradis, pour vous, c'est quoi, aujourd'hui ? Ma femme, mes filles. Oui. Alors, c'est très marrant, d'ailleurs, parce que quand vous n'aviez pas de pognon, vous habitiez à Créteil. Et là, vous en avez un peu plus. Vous êtes resté à Créteil, dans un appartement plus grand. C'est bien ? Ouais. Vous n'êtes pas devenu bling-bling, Harry ? Je crois pas, non. Et nous accueillons Manuel Valls et André Manoukian. Alors, Manuel Valls, bonsoir. Vous êtes maire d'Evry, député de l'Essonne. Vous faites partie du PS, mais à part ça, vous avez des motifs de satisfaction dans la vie. Oui, ça va. Il y a des trucs sympas à faire à Evry. Plein. Il y a des spécialités culinaires, non ? Des spécialités culinaires du monde entier, et puis plein de cultures. Surtout, on a un théâtre, une belle salle qui accueille de la musique populaire. Je me demande toujours ce que les gens font à Evry le dimanche, à part se suicider. Alors, au sujet d'Evry, il y a une polémique en juin dernier sur laquelle vous revenez dans le livre dont nous allons parler, qui s'appelle « Pouvoir ». Après avoir voté pour les européennes, vous allez à la brocante que vous avez lancée et là, vous constatez que ça manque de blanc, de white, de blanco. Vous savez, c'est exactement ce que dit Zemmour quand même. Hein. Non, il dit pas ça. Bah, il dit qu'il y a quand même des zones maintenant où il n'y a plus que des maghrébins et des noirs. Quoi. C'est un peu ce que vous dites quand vous voyez qu'il n'y a pas de blanc. Non, mais qu'il y a une ghettoisation d'un certain nombre de quartiers où on a entassé, évidemment, malgré eux, les plus pauvres, souvent issus de l'immigration, dans des ghettos avec un véritable apartheid, et que cela expose régulièrement à la face du pays. Et ce que je dis dans le livre, au fond, ça arrange beaucoup de monde. Oui, ça, c'est quelque chose contre lequel je lutte, et je fais en sorte que ma ville, bah, le vivre ensemble, c'est que tout le monde puisse se retrouver. Et ce n'était pas le cas dans cette brocante. En même temps, il y a un super truc, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un bouquin que j'adore, c'est un sociologue qui s'appelle Michel Maffesoli qui a écrit « Le temps des tribus ». Et il dit on revient à des tribus, mais qui sont des tribus culturelles. Et ce que font les mômes, notamment avec la musique, c'est qu'on a l'impression qu'ils font de la cuisine dans un wok et qu'ils prennent des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et le truc, il prend quand même. Et c'est ça qui est joli. Donc, moi, mon idéal de cité future, c'est Blade Runner. Vous savez, cette espèce de ville où il y a des mecs d'ethnie complètement différentes, où on mange un serpent frit, mais en écoutant une musique de raï, et puis à côté, c'est un Chinois qui vous fait du couscous. Il est parti. Ouais. Ça y est, Dédé est revenu. Dédé est là, les doigts d'or. Alors, le livre publié s'appelle « Pouvoir », c'est chez Stock. Mais alors, pour plaire aux jeunes, vous auriez pu l'appeler « Super Pouvoir ». Alors, Manuel, on vous présente toujours comme un Sarkozy de gauche, terme que vous détestez. L'insulte, elle est dans quoi pour vous, dans Sarkozy ou dans de gauche ? On adore toujours, notamment à gauche, vous enfermer dans des étiquettes. Moi, je suis pleinement à gauche, beaucoup plus que ceux qui le proclament depuis les tribunes. Mais quand ils sont au pouvoir, ils font exactement le contraire. Au-delà de ce cliché, il y a dans votre livre une idée neuve que j'ai trouvée formidable, c'est l'autoréalisation individuelle. Vous dites, le mythe d'une société alternative a vécu, c'est sûr qu'il n'y aura pas de grand soir, le mythe d'une société collectiviste a vécu aussi, et vous proposez que la gauche aide les gens à leur épanouissement personnel. Aujourd'hui, chacun, au fond, cherche son propre chemin, cherche à se frayer un chemin dans la société, et le politique est là pour l'aider. Et c'est vrai qu'il vaut mieux aider
à bâtir une retraite à la carte, notamment pour aider l'ouvrier qui vit moins longtemps que le cadre. Que le gamin qui est en échec scolaire, il vaut mieux s'attaquer à ses problèmes, à son environnement social et familial pour l'aider. Aujourd'hui, entre l'éducation, l'Internet, la famille éclatée, la recherche au fond d'une forme de bonheur pour chacun, le politique, l'État, les services publics, l'économie doivent être mis au service de l'individu, à condition que ce ne soit pas l'égoïsme et de l'individualisme. Mais en tout cas, chacun cherche sa voie. Et au fond, c'est ça la politique. C'est pas mal parce que ça réconcilie les idéaux de la gauche avec l'individualisme moderne, je trouve. Oui. Et vous savez, Tocqueville, qui est un grand penseur du 19e siècle, disait que la démocratie provoquerait cet individualisme et pourrait d'ailleurs mettre en cause la démocratie. Et si on ne veut pas que la démocratie s'affaisse, ben, il faut redonner, au fond, la place à chacun, aux citoyens, aux gens. Aujourd'hui, vous n'imposez pas une règle pour une collectivité. Voilà. Ça, c'est fini. Il faut être dans le pragmatisme. Et si le pragmatisme peut être inspiré individuellement par des idéaux qui sont des idéaux, alors en l'occurrence, de gauche, ça peut fonctionner. Mais moi, je trouve que c'est plus, à la fois plus honnête et d'une certaine manière beaucoup plus captivant, beaucoup plus exaltant de faire de la politique comme ça, plutôt de croire au grand soir, on va renverser la table, ça ne marche pas, ça crée des désillusions et beaucoup de frustration. Et là, au moins, on est sur quelque chose à la fois de plus pragmatique, mais on peut aussi changer la vie des gens avec ça. Voilà, donc ça s'appelle l'auto-réalisation individuelle. C'est un nouveau concept, j'adore. Alors, vous êtes déclaré candidat aux primaires du Parti Socialiste, évidemment, vous êtes président de la République. Mais alors, avec Strauss-Kahn, vous pensez pas que vous êtes un peu sur le même positionnement, non? Bah, il est à Washington, moi je suis à Évry, pour le moment, pas. Alors, André Manoukian, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir parce que lundi matin, une information incroyable est parue dans Le Parisien aujourd'hui en France. En un mois, André, vous n'avez vendu que 174 exemplaires de votre livre. Deleuze, Sheila et moi. Vous êtes ici pour en parler? Et ce soir, tous ensemble, nous allons essayer d'en vendre au moins un de plus. J'aimerais qu'André arrive à 175. Quel public qui vous a mis un rouge sur ce coup-là. Qu'est-ce qui se passe, André? En même temps, je n'ai pas vraiment commencé la promo. Ah, bon. Mais oui. C'est une sorte de petit Manoukian illustré. Alors évidemment, vous commentez vos fameuses phrases de La Nouvelle Star. J'aime bien votre côté Nana Mouskouri postmoderne. On a invoqué l'esprit de Jim Morrison en Uri Kazaray. Et surtout, il a quand même dit à une candidate, votre prestation sans le savon n'est pas assez la foufoune. Ben oui, c'est, c'est l'usage de la métaphore pour essayer de se faire comprendre et tout. Et en même temps, dans la phrase, par exemple, Nana Mouskouri postmoderne, je me suis dit que j'aimais bien pratiquer la pensée analogique. Oui. La pensée analogique, c'est ce qui a l'air de relier des contraires. Mais au-delà de ça, je trouve que la philosophie peut changer les choses et j'en parle très humblement, comme un amateur qui n'en a pas lu beaucoup, mais qui a fait des rencontres. Non, en fait, quelque chose qui est très difficile, c'est de mettre des mots sur des émotions musicales. Mm-hmm. Et c'est un peu dans la tradition de la musique et l'ineffable de Jean Kelevitch. C'est lui qui a mis le doigt sur une de mes plaies, c'est-à-dire pourquoi je tombais un peu amoureux des chanteuses, on va dire, et pourquoi ça me tourmentait et tout. Et lui, et c'est lui qui a résolu le truc. En fait, il dit que la figure de la chanteuse est à la fois une muse parce qu'elle inspire et qu'en même temps, elle peut se transformer en sirène. Et la sirène, c'est elle qui vous fait plonger. Vladimir Yankelevitch, qui était un ami intime de mon père et qui parlait de philosophie, de trop musique. Trop fort de musique, voilà. Voilà. Alors, il n'y a pas n'importe qui dans cette émission. Alors, moi, je crois quand même que si votre livre a un petit peu de mal à démarrer, c'est à cause de la photo de couverture. Regardez. Mais non seulement vous avez des poils sur la poitrine, mais aussi des poils sur le ventre. Et ça, c'est très étonnant parce que vous savez que même les gorilles sont imberbes sur le ventre. Alors, il y a aussi un disque qui sort, qui s'appelle So In Love. Ouais. Alors là, il y a toute la nouvelle scène française qui réinterprète des grands classiques du jazz. Alors, il y a tout le monde. Il y a Anaïs, il y a Cocoon, il y a Benjamin Sixou, il y a Émilie Loiseau, il y a Camélia Jordana, il y a Tété, il y a Elena Noguera. C'est des chanteurs qui ont un monde. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont venus avec leur bagage et qu'on a tout fait autour d'eux. Quoi. Alors, vous chantez pas, vous, hein? Non, non. C'est le premier album de duo, il n'y a qu'un seul chanteur. C'est un scoop absolument, c'est un scoop énorme. Alors La Nouvelle Star, ça va? Ouais. Ça se passe bien? Ouais, ouais, ouais. Il vous manque les anciens jurés qui étaient avec vous là? Ah, Manu, je le vois beaucoup. Ouais, ouais, ouais.
Alors, l'avantage depuis qu'il n'y a plus Marianne James, c'est qu'il y a un peu plus à manger sur le plateau à la fin. Je sais, c'est nul. Je sais. Bien, on passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est François Dorcival de Valeurs Actuelles que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Après 3 ans passés à l'Élysée, notre président vient de décréter cette semaine qu'il est urgentissime de régler le problème des retraites avant les grandes vacances. Je vous promets qu'avant 6 mois, les mesures nécessaires et justes auront été adoptées. Urgentissime, qu'on vous dit ! Parce que si on ne fait rien, eh ben en 2050, le déficit s'élèvera à 2600 milliards. Alors forcément, on se fait bien du souci pour les générations futures. Dites donc, ça vous rappelle rien ça? Mais si, pensons aux générations futures. C'était l'argument principal du sommet de Copenhague. Les scientifiques nous ont dit ce qu'il fallait faire et nous ont dit que nous étions la dernière génération à pouvoir le faire. Alors vu que ça n'a pas marché pour l'écologie, ben on se demande bien pourquoi ça marcherait pour les retraites. Prétendre qu'on se fait du souci pour les générations futures dans un pays où 25% des jeunes sont au chômage, faut bien admettre que ça sent l'arnaque à plein nez. Quand t'as 25 ans, t'as pas de boulot, l'urgence absolue, c'est pas forcément de calculer le montant de la retraite que tu toucheras. D'ailleurs, un tiers seulement des jeunes s'inquiètent pour leur retraite, contre 2/3 des plus de 60 ans. L'angoisse de la retraite, c'est purement un truc de petit vieux. Enfin, que les seniors ne se fassent pas trop de soucis pour leur pension, en 2007, ils ont voté à près de 70% pour Nicolas Sarkozy. Le président saura s'en souvenir au moment de réformer les retraites. Je ne passerai pas en force. D'autant qu'il aura certainement besoin des voix de papy et mamie en 2012. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Graff. François Dorcival, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes président du comité éditorial et éditorialiste à Valeurs Actuelles et éditorialiste au Figaro Magazine. Voilà. Alors, les retraites, quand le système de retraite a été imaginé en France il y a 60 ans, le retraité mourait en moyenne 5 ans après avoir pris sa retraite. Aujourd'hui, le retraité meurt en moyenne 20 ans après. Il y a un problème. Alors, il y a 2 solutions. Soit on repousse l'âge légal de la retraite. En Allemagne, au Royaume-Uni, en Suède, au Danemark, c'est 67 ans. Voilà, c'est ce qui risque de nous arriver. Il y a une autre solution, c'est qu'on reste sur 60 ans et on règle le problème par la fiscalité, les niches fiscales, on taxe les bonus, on taxe les stock options. Est-ce qu'on emploie la fiscalité ou est-ce qu'on change l'âge du départ à la retraite? Les prélèvements sont déjà très lourds. Alors, il faudra évidemment élargir l'assiette de cotisation à la valeur ajoutée, taxer sans doute les produits financiers, mais ça ne sera pas suffisant. Thibault, il dit qu'en taxant les bonus, les stock options, qu'en supprimant les niches fiscales, on peut financer les retraites. Moi, j'aime aussi beaucoup Bernard Thibault. Et d'ailleurs, on a une chanson en Martinique qui dit « Bah, moi, Thibault, Thibault. » Prenons l'exemple des stock options. Les dernières études montrent que ça rapporterait peut-être moins de 2 milliards. Alors, ouais, il faut effectivement trouver d'autres recettes qui ne peuvent pas peser sur les salariés. Mais d'abord, il faut dire la vérité aux Français. Il faudra sans doute cotiser davantage, 41, 42, 43 ans à l'horizon 2020. Une réflexion de bon sens, c'est que pour consolider un système qu'on veut garder, qui est le système par répartition, il faut trouver des réponses, j'ai envie de dire, endogènes. C'est-à-dire qu'il faut trouver des réponses qui concernent ce système pour qu'il soit pérenne. Trouver des financements ou de l'argent à l'extérieur en taxant les stock options ou en taxant les banques, ça ne va pas régler le déséquilibre qui ne va aller que croissant de ce système. Mais il faut ouvrir aussi une discussion qui va durer sans doute quelques années, comme l'ont fait les Suédois, où on construit une retraite à la carte, une retraite par point pour chacun, dans lequel on intègre les années de formation, la pénibilité au travail, parce que c'est sans doute la plus grande inégalité, l'inégalité homme-femme. Les pensions des femmes sont beaucoup plus faibles que celles des hommes. Puis il va falloir trouver des financements pour la dépendance et le grand âge. Ouais. Parce que là, en termes de santé, c'est un défi majeur pour les sociétés. Alors, Dorcival, c'est ça qui est frappant, c'est que chaque fois qu'on entend un dirigeant personnellement, qu'il s'agisse de vous, Manuel Valls, qu'il s'agisse de Dominique Strauss-Kahn,
qu'il s'agisse même de Martine Aubry, qui à un moment donné oui. a évoqué ça a duré aussi 3 jours, les 62 hein. ans. Oui. Chaque fois qu'on en prend un en particulier, il tient un langage raisonnable. Chaque fois que vous êtes ensemble, alors là, c'est je ne bouge plus, je me tiens sur le passé et je fais comme Jean-Claude Mailly, je ne touche ni aux pensions, ni aux cotisations, ni à l'âge de la retraite et je dis, il n'y a pas de problème, on verra ça dans 5 ans. On ne reviendra pas sur les réformes Balladur et Fillon. On ne remettra pas les 37 annuités dans la fonction publique. Alors, disons-le, parce que les Français feront confiance à une gauche qui dit, dans l'opposition, ce qu'elle fera demain ouais. au pouvoir. C'est ce que ouais. je raconte Alors, dans mon bouquin. Ça, c'est intéressant. Parce que 2012, ça n'est pas vrai que pour Manuel Valls. C'est vrai pour tout le monde. Ouais. Pourquoi Nicolas Sarkozy veut-il résoudre ce problème avant 2012 ? Parce qu'aujourd'hui, les retraités, ou ceux qui vont l'être, ont une inquiétude. C'est de se dire, ma retraite, je ne sais pas ce qu'elle sera. Mmh. Et d'ailleurs, ils me racontent des bobards. Or, la base de tout en politique, c'est de rendre de la confiance. Mmh. C'est ce que veut Nicolas Sarkozy. Sarkozy, quand même, dramatise beaucoup. Il veut aller vite. En Suède, ils ont mis 10 ans pour discuter du système de réforme de la retraite. Pourquoi est-ce qu'il dramatise autant ? Mais non, mais il veut aller vite. Mais pourquoi ? Il y a des années que l'on parle de ça tous les jours. Mmh. Ce n'est pas un sujet qui vient de sortir. Ah, ça, c'est sûr, oui. Ce qui vient de sortir seulement, c'est la concertation. C'est le moment où on lance une concertation avec les partenaires sociaux, à qui on ne demandera pas une signature, avec les partis politiques, ouais. et ensuite on va aller à un débat au Parlement. Mais étant donné le temps que tout cela prend, si on veut avoir un peu de bénéfice psychologique ouais. de cette discussion avant 2012, mais c'est maintenant qu'il Est-ce faut que le vous faire. Pensez pas que Sarkozy s'attaque à ce dossier à un moment où il est très affaibli dans l'opinion, sa cote de popularité est très basse. Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire comme Obama, qui s'est attaqué à la sécurité sociale tout de suite, juste après son élection triomphale? Est-ce que Sarkozy a encore les moyens de faire passer une réforme des retraites aujourd'hui? Ce type de réforme, en général, doit être menée plutôt dans un début de mandat, c'est évident. Est-ce que Sarkozy passera en force s'il n'arrive pas à trouver un accord avec les partis politiques et les syndicats, vous pensez? Ah, mais ce que je crois, c'est qu'il veut aboutir. Il ouais. veut aboutir, passer en force. Mmh. C'est un mot brutal, mais évidemment, il veut aboutir, comme sur d'autres lois. Est-ce que pour le symbole, les hommes politiques pourraient renoncer à leurs avantages concernant les retraites? Mais évidemment, vous parlez des parlementaires. Ouais. C'est ouais. Ils vont le faire. Dont il s'agit, il faut qu'ils le fassent. C'est retraite à 55 ans, non? Oui, ça doit être ça, au bout de trois mandats. T'imagines ça, les mecs? Même si ce n'est pas les retraites des parlementaires qui mettent en péril l'ensemble des régimes, mais il faut qu'il n'y ait pas ce type d'avantage qui, en plus, est montré du doigt au moment où on demande des efforts à tous les Français. Au bout de 5 ans, les parlementaires, ils ont 1500 euros quand même. Oui, de retraite. Ouais. Bien. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2. Faut-il privatiser l'éducation nationale? Alors évidemment, si vous posez la question aux profs, avant même d'avoir écouté vos arguments, ils sont 1 million dans la rue pour défendre l'école de la République. Sauf qu'elle est bien gentille, la République, mais son carnet de notes n'est pas fameux. Il suffit de jeter un œil sur le classement des meilleurs lycées de France paru cette semaine. Les résultats sont édifiants. Sur 73 lycées qui ont 100% de réussite au bac, il n'y a que 9 lycées publics. Ça veut dire que 87% des meilleurs lycées de France sont des lycées privés. Franchement, si on ne se laissait pas bêtement aveugler par des questions idéologiques, ben on privatiserait d'urgence l'éducation nationale. Ça améliorerait considérablement la qualité de l'enseignement en France. En plus, ils ont des jolis noms, ces lycées. Sainte-Marie, Saint-Dominique, Saint-Michel. Ouais, mais vous me direz qu'avec ce qu'on entend sur les catholiques en ce moment, ça donne pas forcément envie d'inscrire ses enfants chez les curés. N'empêche, si vous voulez qu'ils reçoivent une bonne éducation, ben, il n'y a pas meilleure adresse. Je te bénis, Seigneur, pour toute la beauté du monde. Voilà, c'était l'édito de Blacko 2, mise en image de Julien Graff. Alors, 87% des meilleurs lycées de France sont des lycées privés. Dans votre livre « Pouvoir », vous écrivez Manuel Valls. « Au fil des ans, ma confiance dans l'éducation nationale est restée intacte. Je suis heureux que mes 4 enfants soient scolarisés dans des établissements publics. » Oui, moi, je crois en l'éducation nationale, au service public. Vous avez vu les chiffres, quand même. Au lycée. Oui, mais je les évoque dans mon livre. Il y a quelque chose qui est terrible, c'est que les enfants d'ouvriers, aujourd'hui, sont davantage en échec
que les enfants d'ouvriers il y a 30 ans. Ouais. C'est que vous avez 150 000 gamins ouais. qui sortent à 16 ans du système scolaire. Mais moi, je me demande si les meilleures écoles sont celles qui ont les meilleurs enseignants et qui prodiguent le meilleur enseignement, ou si ce sont celles où il y a les meilleurs élèves. Parce qu'une école voilà, qui va trier ses élèves et qui va prendre que des bons, évidemment, fera partie des du palmarès. Dans le département de Manuel Valls, il y a 41 établissements du second degré. J'ai regardé le palmarès. Le premier collège qui arrive en tête dans le département de l'Essonne, c'est un lycée public, Blaise Pascal. Le dernier, ou dans les derniers, c'est aussi un lycée public. Tous les privés sont en pelon de tête. Alors maintenant, l'explication, elle est passionnante. C'est que dans le lycée Blaise Pascal, vous avez trois éléments qui jouent en sa faveur. Un, bien sûr, vous avez la qualité des élèves. Pourquoi ces élèves-là sont-ils bons ? Parce que leurs parents sont dans la vallée technologique de Saclay. Deuxièmement, vous avez les parents qui eux-mêmes sont dans les laboratoires, dans la recherche, dans l'industrie. Troisième élément, les professeurs sont en quelque sorte motivés, stimulés par la qualité des enfants qu'ils ont. Et donc, ils se trouvent dans la situation du privé. Car dans le privé, les élèves font le choix. Donc, ouais. il y a une sorte de contrat entre eux et le lycée privé. Les parents sont là, qui continuent à la maison l'éducation donnée dans le lycée. Et puis enfin, les profs sont volontaires. Le gros défaut de notre affaire aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'on met les plus jeunes profs, les moins expérimentés, dans les collèges les plus difficiles. C'est tout à fait. Et pourquoi ? Eh bien, allez demander au syndicat. On a quand même vu à quel point il était difficile de réformer la carte scolaire, parce que l'une des solutions, c'est effectivement qu'il y ait plus de mixité dans les écoles. Et on se rend bien compte que c'est extrêmement difficile, parce qu'évidemment, tout le monde veut voir son gamin dans des écoles présumées bonnes, et c'est beaucoup lié à ceux qui la fréquentent. Qu'est-ce que font les profs ? Quand même, sont eux qui sont les mieux placés pour connaître les établissements et le système dans lequel ils sont. Qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils envoient leurs gamins dans les classes où on fait de l'allemand. C'est-à-dire des classes petites, parce que l'allemand, personne plus, n'en fait plus, naturellement. Mais aussi, ces classes petites sont des classes où on travaille plus, différemment, etc. Et donc, ils ont des gamins qui progressent très bien. Les retraites, les collèges, les lycées et du pain sur la planche. Hein. Mais c'est les deux sujets peut-être majeurs que nous avons devant nous. Manuel, merci d'avoir été avec nous. Merci. Donc, l'autoréalisation personnelle dans son livre Pouvoir. Bravo, une idée neuve, c'est rare. Et nous accueillons notre invitée du samedi 20h ce soir, Marie-Pierre de l'Épinay, bonsoir. Alors Marie-Pierre, vous habitez l'Aiguillon-sur-Mer, et lors de la tempête Xynthia, votre maison n'a été inondée que de 12 cm d'eau. Elle sera pourtant détruite parce qu'elle est en zone noire, une maison vieille de 150 ans. Exactement, c'est vrai que c'est une maison familiale et qui est malheureusement en zone noire. Ouais. On en reparlera à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Comment ça va ? Ça va très bien, et vous ? Tu tiens la route ? Oui, oui, pas de problème, tout va bien. À vous Stéphane, pour la semaine. Afin de ne pas offenser le pape avant son déplacement à Malte, la ville de Lucca retire une statue en forme de pénis. Ça l'aurait choqué, Benoît XVI. Ou alors, il faudrait mettre la statue d'un gosse à côté, ça passerait mieux. Mercredi, le journal La Croix s'interrogeait. Quelle éducation sexuelle pour les enfants ? Catéchisme, 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 il n'y a que ça. Au bout du troisième cours, ils connaissent tout. En Angleterre, sortie d'un magazine porno pour personnes non-voyantes avec des photos en braille. 170 euros les 17 clichés. À ce prix-là, t'as pas intérêt à coller les pages. Rachida Dati ouvre son blog. Il est très bien fait, surtout très, très utile. Si vous voulez savoir n'importe quoi, qui couche avec qui trompe qui partouze avec qui, allez sur rachida.com.
visite à Aiguillon-sur-Mer, Jean-Louis Borloo s'est dit prêt à revoir le plan prévoyant la destruction de 915 maisons. 4 établissements visités par M. Borloo devraient être sauvés. Le bar de la Marine, la buvette Le Domino, chez Gégène et le restaurant La Pergola. Sarkozy baisse encore et Fillon aussi. C'est un classique, la petite baisse du samedi soir. On passe maintenant à notre jeu de la semaine. Voici la photo de Lech Kaczynski et de son frère jumeau, Jaroslav. Attention, lequel des deux s'est tué en Tupolev cette semaine? En cas de bonne réponse, Salut les Terriens vous offre un Tupolev miniature. On passe à notre deuxième jeu de la semaine. Lors du voyage de Lech Kaczynski en avion, 2 photos ont été prises. Classez-les dans le bon ordre. La sœur de Ben Laden est à Paris. Elle a visité la tour Eiffel, la tour Montparnasse, la tour Maillot et la tour AXA. Est-ce qu'elle ne serait pas en repérage par hasard? Francis Lalanne a quitté l'hôpital. Vous vous en fichez? Non, c'est parce qu'il avait fait un malaise sur scène il y a 10 jours. Vous vous en fichez aussi? Sujet suivant. Des salariés menacent d'incendier leur usine d'implants mammaires. C'est dégueulasse de faire ça. Dans le monde, il y a des pays très pauvres où les femmes n'ont pas les moyens de se refaire faire les seins. En Somalie, par exemple, il n'y a pas de chirurgie esthétique, il n'y a pas de botox. Pourtant, quand tu crèves de faim, le botox est super utile. Ça te gonfle les joues. Les gens pensent que tu as mangé. Il y a des pays terribles. À Manille, il n'y a pas de thalasso. Si tu as un coup de pompe, tu ne peux pas te faire masser ou arroser avec un jet. Il y a des zones horribles. Donc, par respect, ne détruisons pas nos prothèses mammaires. Raymond Domenech, qui avait déclaré utiliser l'astrologie pour sélectionner ses joueurs, traverse une très mauvaise période astrale. Diane Bocador, astrologue réputée, affirme « Le long passage de Pluton sur la lune de Domenech est très mauvais signe. » Je ne sais pas si le passage de Pluton sur la lune de Domenech est mauvais, mais dans 2 mois, avec Domenech, nous l'aurons tous bien profond dans la lune. Et on termine avec une nouvelle qui devrait ravir les amateurs du 7e art. Le comédien Denis Podalydès va incarner Nicolas Sarkozy au cinéma. Pour M. Podalydès, c'est un rôle très difficile, très physique. Il faut qu'il apprenne à marcher avec des talonnettes, à parler en bougeant les épaules. Il y a aussi un gros travail de maîtrise de soi, rester calme, ne jamais s'énerver, quoi qu'il arrive. Il faut aussi que M. Podalydès apprenne à massacrer la langue de Molière, à faire des fautes de syntaxe. Pour quelqu'un comme lui qui est sociétaire à la Comédie Française, j'imagine que ça va être très dur. En tout cas, je lui souhaite bonne chance. Ça va être un film magnifique. Gérard Depardieu dans le rôle de Jean-Louis Borloo, pour Paris Vigneux. Joe Pesci pour incarner Éric Besson, dans le rôle du traître. Hein, il sera parfait avec ses petits yeux. Je vous dis pas de quoi, pas d'attaque au physique. Ah non, non. Pas du tout. Puis si j'ai un petit conseil à donner à M. Podalydès, surtout qu'il ne se laisse pas perturber. Hein. Cinéma est un milieu de ragots, de rumeurs, que tous ces petits clapotis ne déconcentrent pas. Ça va être magnifique. À la semaine prochaine. Et voilà, c'était Stéphane Guillon qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h.
Marie-Pierre, bonsoir. Vous êtes née en 1973, vous avez 37 ans, vous habitez 61 route de la Grande Jetée, à L'Aiguillon-sur-Mer, quartier qui s'appelle La Pointe. Votre maison a été achetée en 1938 par votre grand-père maternel, un notaire passionné de nature, et il en a fait une sorte de maison du bonheur. Tout à fait. Alors, ce n'était pas une villa de luxe, hein, c'était plutôt un lieu où on se retrouvait entre copains pour manger des moules. Voilà, en exactement. En buvant du vin, un vin pourri souvent, d'ailleurs. C'est vrai que... C'est vrai. C'est vrai. Alors, chaque année, depuis votre enfance, vous avez passé 2 mois d'été dans cette maison. Alors, vous vous souvenez, évidemment, quand vous alliez pêcher les crevettes, que vous perdiez vos bottes dans la vase. Vous vous souvenez du jour où vous avez vu un flamant rose. Enfin, c'est des années qui passent, des amis qu'on retrouve comme ça tous les étés. Ça fait 70 ans que la maison est dans la famille. Ouais. Et c'est vrai que ma mère m'a aussi incité à, on va dire, à inviter du monde. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme vous le disiez, la maison du bonheur. C'était vraiment, vraiment la maison ouverte. Et c'est ce que je continue à faire actuellement. Pour vous, cette maison, c'est beaucoup plus que 4 murs bien situés pour passer des vacances pas chères. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment vos racines. Tout à fait, oui, oui, oui. Alors... Il y a 10 ans, lorsque vos parents décident de faire une donation à leurs enfants, vous choisissez de reprendre la maison et d'en faire votre résidence principale. Pourtant, vous travaillez à Niort. Voilà, j'ai 3 heures de route par jour. Par jour. Mais ce sont des lieux, on va dire, des lieux... C'est un lieu ressource, un lieu repère. C'est-à-dire que quand j'arrive, les 20 dernières minutes de voiture, je ne croise personne, je ne vois personne. J'arrive, je suis chez moi, et à part entendre le ressac des vagues, il n'y a pas d'autre bruit. Donc c'est vraiment pour moi, on va dire, le paradis. Vous l'aimez, cette maison? Elle fait partie de ma famille, elle fait partie de moi. Alors, dans la nuit du 27 au 28 février, donc la tempête Xynthia arrive en Vendée. Vous êtes dans la maison. Mmh. Vous veillez jusqu'à 4h30 du matin, mais en fait, vous êtes plus inquiète du vent qui pourrait arracher la toiture que de l'eau. Alors, c'est vrai que moi, l'inondation, le raz-de-marée, je ne l'ai pas vécu. C'est-à-dire qu'à 4h30, je suis allée me coucher. Et à 7h30, j'ai ma mère qui m'appelle affolée en me disant « Mais Marie-Pierre, ça va ?» Ben, comme je n'avais plus d'électricité depuis 2h du matin, mes volets électriques étaient fermés, donc je lui dis « Oui, ça va. Ouais. » Et je lui dis, je vais aller faire un tour pour voir s'il n'y a pas trop de dégâts, s'il n'y a pas trop de pans de toiture envolés. Donc, je sors de la maison. Je vois que le quartier était envahi d'eau. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait eu quelque chose. Ouais. Moi, à l'étage, il n'y a pas d'eau parce qu'il n'y a pas eu 5 mètres d'eau. Mais c'est vrai que le rez-de-chaussée, il y a 12 cm. Donc, se noyer dans 12 cm, il faut le faire exprès. Et d'ailleurs, votre maison sert de point de ralliement pour les voisins, pour les pompiers, tout de suite. Quoi, oui. Et donc, jusqu'à 13h, j'ai fait du café et du thé. J'ai servi des petits gâteaux aux pompiers, aux gendarmes et à la douzaine de personnes que j'ai accueillies. Alors, durant le mois de mars, vous remettez la maison en état. Vous êtes obligé de changer l'électroménager parce qu'évidemment, ça a souffert de cette mini-inondation. Vous nettoyez, vous enlevez la vase. Alors, c'est pas facile parce qu'en fait, vous n'avez pas d'eau et pas d'électricité. Non, depuis la tempête, ça fait maintenant plus d'un mois et demi, on n'a toujours pas l'électricité, on n'a toujours pas l'eau. Donc, il a fallu amener l'eau pour pouvoir nettoyer. Mais dans des jerrycans, dans des citernes, tout parce que votre frère est agriculteur, il amène de l'eau avec une citerne. Tout à fait. Mais est-ce que vous croyez que c'est fait exprès pour vous chasser, d'une certaine façon, de ne pas vous remettre l'eau et l'électricité? C'est-à-dire que ça ne facilite pas les choses. Alors, le 8 avril, vous vous rendez au gymnase... des Aiguillons, doit avoir lieu l'annonce des zones jaunes, noires, rouges, etc. Quand vous y allez, vous êtes relativement sereine, vous? Tout à fait. Je n'ai pas eu beaucoup d'eau, j'ai une maison à étage. On va dire, j'avais tous les paramètres, entre guillemets, positifs, donc j'y vais relativement... Tranquillement. Voilà, tranquillement. Alors, quand vous arrivez là-bas, le préfet et le maire sont sur l'estrade, alors ils commencent par des discours assez lénifiants. C'est vrai que c'était très, très long quand on attend une décision qui va changer, on va dire, le cours d'une vie. Bien, tout à fait, oui. Alors là, on vous projette des cartes, voilà. Et ces cartes sont illisibles, parce qu'ils n'ont pas réfléchi que c'était en plein jour, donc il y avait tellement de lumière qu'on n'arrivait pas à voir les cartes. Bon. Voilà. Alors à ce moment-là, on vous donne des cartes imprimées, mais ce n'est pas les bonnes cartes imprimées. On vous donne des cartes de La Faute-sur-Mer et pas des cartes de Aiguillon-sur-Mer. Et quand, finalement, vous recevez la bonne carte, vous découvrez que votre maison est en zone noire. C'est-à-dire que votre maison va être détruite. Ça a été vraiment un choc. On s'effondre, il y a des personnes qui se sont évanouies. Moi, j'étais dans la salle, donc j'ai pu m'effondrer sur une chaise, mais je connais des personnes qui l'ont appris sur le parking de la salle de sport devant un écran géant. Avec des photographes qui vous traquent, avec des caméramans qui vous traquent pour obtenir des réactions
À chaud, voilà, à sur, chaud. Ouais. sur le sentiment. Et pour tout le monde, le perdre sa maison, c'est terrible, parce que ce n'est pas juste quatre murs. Une maison, c'est vrai, c'est une vie, c'est une famille. Là, ouais. Voilà. Là, la maison, elle va être rasée, c'est-à-dire qu'on va vraiment nous détruire nos vies et puis nos projets. Alors pour vous, ces zones sont parfaitement arbitraires, parce que certaines maisons qui ont eu 1,50 m d'eau ne sont pas concernées par ce zonage. Et vous, avec 12 cm d'eau, votre maison doit être rayée de la carte quand même. Ce qui est terrible, c'est qu'on applique une solution unique, une solution collective à plein de cas particuliers. Oui. Et après, moi, je connais aussi des personnes qui ne sont pas en zone noire, mais qui ont eu 1,50 m, 1,80 m d'eau dans leur maison et qui souhaiteraient être en zone noire pour pouvoir partir. Alors, ce qui vous met le plus hors de vous, c'est cette idée que tout s'achète. C'est-à-dire qu'on dit, bah, finalement, de quoi vous plaignez ? On va vous racheter votre maison au prix où elle était avant la tempête. Alors, finalement, vous n'avez aucune raison de vous plaindre. C'est ce qui est choquant. C'est-à-dire que lors de la réunion collective, vous nous annoncez que les maisons allaient être rasées. En fait, ce n'était pas grave parce qu'on allait être dédommagés. On nous paye, donc on va dire, on n'a rien à dire. Et il faut dire merci d'être expropriés. C'est terrible. Alors que la mémoire, ça ne s'achète pas. Non, les souvenirs, la mémoire, les convictions, une famille, toute l'histoire, c'est vrai que ça ne s'achète pas. C'est-à-dire que ces maisons-là, moi, honnêtement, je ne suis pas en danger dans ma maison. C'est-à-dire que si j'étais en danger, je partirais. Tandis que là, je ne suis pas en danger. On va dire, je n'ai pas envie qu'il rase 70 ans d'histoire familiale. Ce n'est pas une maison en préfabriqué qui a été faite il y a 15 jours. Non, quoi. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas un pavillon F4 qu'on peut facilement déplacer. C'est-à-dire que moi, je connais des personnes qui habitent un pavillon F4, qui l'ont acheté il y a 2 ans, qui me disent, mais moi, si on me construit exactement le même pavillon à 500 mètres, moi, je n'y verrais pas la différence. Tandis que moi, c'est pas du tout ça, moi. Oui. Donc, en mémoire de votre grand-père, vous allez vous battre. Tout à fait, oui. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint une association donc, de sinistrés qui s'occupe à la fois de la faute sur mer et de l'aiguillon sur mer. Et c'est vrai qu'on va déposer des recours. Vous avez refusé l'offre de l'État, alors. Tout à fait, oui. Vous imaginez seul dans votre maison avec les bulldozers qui arrivent, là? Après, de toute manière, tant qu'on ne remettra pas l'eau et l'électricité, déjà, ce sera très dur pour y habiter. Oui. Donc, l'union faisant la force, on espère qu'on va réussir quand même à montrer et à démontrer au gouvernement qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément logiques. Voilà, vous avez l'air assez bien, mais en fait, vous prenez les antidépresseurs depuis. Voilà, oui, c'est vrai que... C'est pour ça que vous avez l'air souriant. Voilà, c'est vrai que... Autrement, je suis arrivée en larmes, donc c'était peut-être pas forcément la meilleure des... Ouais. Pour défendre sa maison, de toute manière, il faut être bien. Et si vous n'aviez pas été soutenue par votre famille dans ces moments-là, vous auriez peut-être pu faire même des bêtises. Tout à fait. Par exemple, dans la famille, mon oncle, qui donc a passé toutes ses vacances dans cette maison, quand jeudi, il a appris la nouvelle, il a été hospitalisé. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on touche à nos maisons, on touche à des biens. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est seulement matériel, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire d'une famille. Et faire ça, c'est vraiment inhumain. François ? Magnifique témoignage, émouvant et vrai. Et l'essentiel de cette affaire, c'est l'inhumanité. Les maisons, ça a toujours une âme. Toujours une âme. Et ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est l'évolution de l'opinion. Parce que ce dont vous allez bénéficier aujourd'hui, c'est de la transformation de l'opinion publique, qui au début ne s'est pas rendu compte. C'est vrai. Les médias ne se sont pas rendus compte de ce qui vous tombait dessus. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont bougé, c'est-à-dire qu'ils viennent vous interroger. Et donc, je crois que vous allez obtenir des résultats, parce que les politiques ne peuvent pas rester dans la situation où ils se sont mis. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire le jour où il y en a un qui se tirera une balle dans la tête ? Qu'est-ce qu'ils vont faire le jour où il y aura un suicide comme ça ? Parce que naturellement, les antidépresseurs, etc. Mais un jour, ça va arriver. Alors, je veux bien qu'on mette le principe de précaution dans la Constitution, mais pas au point de tracer des lignes comme si... On traçait une ligne dans le Far West. C'est un peu le même principe, ça n'a rien à voir que celui du vaccin. Si on le fait pas, le gouvernement va se faire accuser d'avoir rien fait. Si on le fait, moi j'étais à la Nouvelle-Orléans il y a un an et demi, j'étais devant des maisons, faisais un reportage avec Tété, et puis il y a des croix comme ça, puis il y a la voisine qui est venue, et puis sur sa maison il y a une croix avec un chiffre 3. Et je dis, c'est quoi ? La croix, ça veut dire qu'ici, le chiffre 3, c'est qu'on a retrouvé ces 3 enfants morts.
Et elle est encore là, elle est revenue. Alors, quand tu vois des trucs violents comme ça, tu peux comprendre aussi en même temps qu'il faut faire quelque chose. Mais le vrai problème que ça pose, c'est un vrai problème de démocratie. Qui décide ça? Pourquoi on ne prend pas le temps? La catastrophe, elle ne va pas se repasser demain pour avoir une vraie concertation et tout. Marie-Pierre, votre maison, personne n'est venu la voir avant de décider de la détruire. Ah non, 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 non. En tous les cas, merci de nous avoir permis de mettre un visage sur ce drame. Courage. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Manuel Valls pour son livre Pouvoir chez Stock, Harry Roselmack, entre autres le 7 à 8 sur TF1 le dimanche. Merci Harry. André Manoukian pour Deleuze, Sheila et moi chez Calman Lévy et So In Love, le CD chez Imaï. François Dorcival de La Valeur Actuelle, merci. Et Marie-Pierre de l'Épinay, donc de Aiguillon-sur-Mer, voilà. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. On se retrouve samedi prochain à 19h et d'ici là sur canalplus.fr. Je vous laisse avec mes amis d'Action Discrète et de Groland. Salut les Terriens. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.